Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 17 mars 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé pour terminer cette semaine sagesse. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Est-il possible que tu n'aies pas encore compris que tu ne peux rien faire pour parvenir à la sagesse? Le savoir s'apprend, n'est-ce pas? Mais la sagesse est un don du ciel, et grâce à la fleur de vie, tu peux t'immerger de plus en plus profondément dans cette belle énergie de la sagesse. Et c'est ainsi que tu rencontreras cette étoile qui te met en relation avec ta sagesse intérieure, au centre de la fleur de vie, de même qu'en ton fort intérieur. La sérénité, n'est-ce pas? La paix, la confiance, la compassion, la tolérance, mais aussi l'amour sont quelques-unes de ces énergies que le don de la sagesse permet de développer en nous. Et c'est vrai qu'avec l'âge, eh bien, on attrape un peu plus de sagesse chaque année. La fleur de vie transforme désormais en énergie de la sagesse tout ce que tu as appris tout au long du voyage de ta vie. Tu accèdes dans le même temps à la sagesse de tout l'univers ainsi qu'à, eh bien, la source de connaissances profondes en toi-même. Et à présent, l'accès à la sagesse de tous les êtres célestes, eh bien, t'est accordé. Cette connaissance, eh bien, constitue un cadeau pour toi, car la sagesse ne peut être obtenue autrement. Les mondes célestes nous font une grâce lorsqu'il nous concède cette belle énergie. Les connaissances du monde d'ici-bas, ainsi que celles de tous les univers, eh bien, sont attachées à ce cadeau, ce magnifique cadeau. Et la fleur de vie te révèle la sagesse inhérente à la géométrie sacrée. Et encore une fois, cette belle énergie, eh bien, se répand en toi, à la manière d'une lumière dorée, et elle imprègne toutes tes cellules, et elle te fait rayonner. Quel beau message, n'est-ce pas? Et c'est vrai que lorsqu'on rentre dans l'âge, je dis on rentre dans la sagesse, car avant ça, eh bien, c'est plutôt notre ego, n'est-ce pas, qui prime. Et puis, en avançant dans l'âge, c'est la sagesse et l'ego, on essaye à le maîtriser. Très beau message pour terminer cette semaine. Alors, la petite carte de l'oracle des couleurs. Bleu ciel, j'accepte toutes mes pensées sans les juger et puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. Sur cette belle phrase, je vous souhaite une toute belle journée ainsi qu'un magnifique week-end. Dans la joie, le rire, l'amour inconditionnel,
La tolérance, la bienveillance, l'empathie, la compassion, n'est-ce pas? Et puis, on se retrouve pour une prochaine capsule. Et d'ici là, prenez soin de vous dans la douceur de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et puis, moi, je vous embrasse tout fort. À tout bientôt.